Aïe, 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 le jeu, il est cassé. Clairement, il y a un gros souci et ça fait peur. Yo tout le monde, ça fait Lengrik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends. Et comme j'ai pu vous le dire, il y a un gros déséquilibre sur le jeu actuellement depuis cette fameuse pseudo-célébration Dragon Ball Super Super Hero avec les trois nouveaux personnages qui sont apparus, à savoir le Piccolo, la Panne et le perso le plus fort du jeu, Gohan Beast LF. Là, c'est clairement une dinguerie. On a un personnage qui est arrivé, qui roule sur tout. En gros, c'est, tu as d'un côté en PVP ceux qui ont Gohan Beast et ceux qui ne l'ont pas. Si tu l'as pas, t'es mal barré. Non mais clairement, il y a un gros déséquilibre. Alors que le jeu, il a 4 ans et demi, tu peux jouer au jeu tous les jours, mais si jamais tu t'es fait shaft ou quoi, que tu n'as pas eu le Gohan Beast, un nouveau joueur qui a des étoiles sur le Gohan Beast, Piccolo Pan, va te rouler dessus alors que toi t'as plein de persos depuis 4 ans et demi. Et ça pour le coup, ça crée un gros déséquilibre et ça fait peur, comme j'ai pu vous le dire, pour les jeunes festivals qui arrivent dans 3 semaines. Parce que là, si on a déjà un déséquilibre comme ça dans la méta, imaginez-vous les persos craqués qu'on va avoir au Legend Festival. Franchement, ça fait peur. Enfin bon, bref, pour illustrer cette vidéo, on va blablater, on va parler, mais on va faire également des combats pour prouver les dires. Yeah ! Et bien là, c'est parfait pour illustrer mes propos. Il n'y a pas Gohan Beast en face. Donc vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça va donner quand tu joues en PVP sans le Gohan Beast. Pourtant, il y a tout de même le tag Cyborg LF, hein, C17 tag C18 LF, qui était pour moi la meilleure carte du jeu avant l'arrivée de Gohan Beast LF. Donc vous allez voir un petit peu parce que c'est vraiment trop fort. Clairement, ce personnage, il a retourné le jeu, mais pas dans le bon sens. Il a complètement déséquilibré le jeu. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête des développeurs, et j'ai peur qu'on ait encore la même chose au Legend Festival. Enfin bon, let's go, c'est parti. Ok, ça passe. Donc là, je vais mettre le Gohan, comme ça, il n'y a plus de cover. Voilà. Alors par contre, il a détruit les cartes, ça c'est un peu relou. Ok. Let's go. Ok, l'esquive, normal. Ok, très bien. Je suis pas inquiété, les gars. Ok, faut que je gagne le clash. Hush 930. Oui, c'est bon. Bah là, ça va faire mal. Là, du coup, ça va faire mal, les frérots. Regardez bien. Hop, Gohan. La jauge unique, elle se remplit. Voilà, il n'y a plus de cover. Voilà. Dès qu'elle est remplie, il n'y a plus de cover. Tu fais l'adversaire ramener une carte, on continue les blasts. C'est trop fort, c'est trop fort. Voilà, hop, bim, est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez les dégâts? C'est impressionnant. Parfait, ça passe. Huch. Donc je me pose même pas de questions, je Rising Rush direct. Même s'il a la survie au chaos, c'est pas grave, pour la simple et bonne raison. On peut peut-être avoir un deuxième Rising Rush rapidement. Ah bon, bah, de toute façon il l'a contré, donc voilà. Comme ça, c'est réglé. Hop, bim. Voilà. Voilà. Bon bah là, comme ça, là on est sûr qu'il y a un kill. Peu importe qui il met, il y a un kill. Ok, c'est parfait, il y a un kill. Voilà. Là, comme on avait déglingué ces persos avec le Gohan Beast, on savait qu'il allait avoir un kill. Allez, un au moins. Je suis quasiment full life, hein, je le rappelle. Hop, bim, l'aspect. Allez, encore un kill. Hop, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. C'est... Ok, très bien. Là, c'est 18. On n'est pas inquiété. Parfait. Voilà. Voilà. Voilà, c'est réglé. C'est réglé. C'est clairement, c'est plié. C'est va prendre ta tartine de Nutella, hein, tu te l'étales bien comme il faut dans les jupons de ta maman, et puis bah, on t'envoie sur Namek. Non mais c'est un truc de fou. Oh, 418 points, on lui a pris. Ah ouais, ah ouais. Alors pour cette deuxième game, il y a Gohan Beast en face, 8 étoiles comme moi, accompagné de Pan également. Donc hop, on prend les 3 mêmes et on recommence. Là, ça va être intéressant. Parce qu'en fait, ce qu'il se passe quand on affronte un adversaire qui a également Gohan Beast, etc. Ok, ok, il a pris ta pion avec. Bon, ça va. En vrai, je suis pas trop inquiété. Maintenant, t'as un pion, ne me fais pas peur quand tu as panne. En fait, là, ce qui se passe, c'est que ça va se jouer à celui qui va faire la première erreur. Tu fais une erreur, t'es mort. Clairement. Dès qu'il y en a, il va faire une erreur, c'est fini. Les persos sont tellement puissants que... Ok, il a fait tape attaque, très bien. Je fais la verte. Ok, lui aussi il fait la verte. Il détruit les cartes que je n'ai pas, donc... Osef. Ok, il avait déjà récupéré l'esquive et tout, ok. Voilà, donc là il fait des dégâts, vous le voyez, hein. Les dégâts qu'il fait avec son Gohan, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais si ça serait moi qui l'aurais pris en combo, ça serait pareil, hein.
Huche, voilà, à mon tour maintenant de faire des dégâts. Voilà. Huche. Parfait. Vous voyez, c'est à celui qui va faire le plus de dégâts, chacun son tour. C'est ouf. C'est tout simplement ouf. Donc là, on va Rising Rush. Voilà, comme ça, on va faire sauter la panne. S'il me contre pas, bien évidemment. Allez, s'il te plaît, ne me contre pas, comme ça on fait sauter la panne. Dès qu'on fait sauter la panne, c'est très bien. Parce qu'elle est hyper chiante avec ses cartes vertes, etc. Allez, cuisine. On t'a vu, tu prends ta tartine de la confiture à la fraise et ça dégage. Allez, bim. C'est trop fort. Vraiment les gars, c'est trop fort. C'est à celui qui va faire la première erreur, qui va avoir le Rising Rush en premier, qui va réussir les clashs, qui va, voilà. Il danse. Tu veux danser? Ok. Alors il m'a détruit mon ultime. Voilà. On était serein. Hein, voilà. On allait encore l'éclater. Ça a été très vite. Il a compris. L'adversaire, en fait, il a compris. C'est à celui qui se fait attraper en premier en combo qui va prendre très cher. Et bien voilà, quasiment la même team que moi en face. Avec des étoiles aussi. Donc là, ça va être très intéressant également de voir qui va gagner et comment ça va jouer. Parce que comme moi je vous le disais, voilà, les persos sont tellement puissants, tu te fais prendre en combo, tu peux faire un one combo en fait. Tu peux retirer toute la barre de vie de l'adversaire dès que tu l'attrapes. Parce que vu qu'en fait le Gohan, il empêche les covers, etc., c'est trop fort en fait. Let's go. Ok, là il est mal. Là il est mal, voilà, je ramène le Gohan, il n'y a plus de cover. Voilà, et là il prend cher. Donc là déjà, j'ai très bien commencé ce début de game. Voilà. Hop. Voilà. Huche. Let's go. Voilà. Vous voyez, ça s'arrête plus. C'est un délire. Dommage, c'était une verte. Parfait ça. Oh là là, on a bien wedge. On a très très bien joué. Donc là maintenant, il y a la cover. Forcément, j'avais pas re-rempli ma jauge unique. Mais est-ce que vous avez vu quand même? J'ai pas arrêté de taper sans switcher de perso. C'est ouf. C'est ouf. Tamena. Donc là, voilà, elle bloque le main, elle bloque les switch, etc. C'est la panne. Elle est vraiment très très chiante à jouer. Hein. Voilà. Wesh, il a combien de cartes vertes sinon? C'est. Ok, parfait ça. Ok, donc là il met la cover Piccolo. Ok. Oh, ça devrait faire mal ça. Ouf, ouais. Ok. Let's go. Ah, bien wesh. Bien wesh, parce que là, ouais, là je vais prendre cher. Oh là 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 là. Ok, j'ai la panne, au pire des cas, s'il fait l'ultime. Ok, on va mettre panne dessus. Elle va pas mourir. Elle va quand même encaisser un peu le coup. Il va me faire mal, mais elle va encaisser le coup. Ouais, boum, il m'a détruit toutes les cartes en plus. Ok, maintenant, on va prendre la verte. Comme ça, on réduit le temps d'attente. Voilà. Parfait, ça. Et là, du coup, on se pose pas de questions. Voilà. Ne contre pas, ça m'arrangerait. Est-ce que vous vous rendez compte quand même comment ça se joue maintenant le PVP, quoi? On dirait que le jeu, il a totalement changé. On n'est plus sur un jeu à l'époque quand c'était sorti où là c'était vraiment un truc de ouf, fallait faire attention à tout. Là c'est le premier qui se fait attraper en combo qui est mal en fait. C'est un délire. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, j'ai entendu, merci à tous ceux qui s'abonnent même quand on fait une vidéo, ça fait plaisir. Ok, là il s'est fait avoir. Parfait ça. Ish. Voilà, là frère. Là frère. Ça va faire mal. Hein. Là il va perdre son Gohan et... J'ai envie de te dire, voilà, dès qu'il n'y a plus le Gohan, c'est fini. Parce que là, il n'y a pas de survie au KO avec le Gohan. Forcément, et son ultime, il annule la survie au KO du Gohan Beast. Donc, cuisine. Allez. Voilà. Il reste plus que le Piccolo. Ok. Il a fait l'aspect. Très bien. Moi, je vais le forcer à esquive. Voilà. Je peux traverser les blasts. Ça aussi. C'est trop fort. Et voilà, c'est encore le rush kit. On a fait que des rush kits. En fait, il a une mécanique de gameplay qui est beaucoup trop cheatée. Il a tout. Le perso, il a tout. C'est un délire, en fait. Je sais pas comment
vous expliquer mieux que ça, mais c'est un véritable délire. Intéressant en face de nous, en revanche, il n'y a pas le Boing Beast, mais il y a quand même Piccolo et Pan. Alors, je prends les trois mêmes. Il y a quand même Piccolo et Pan bien étoilé, et après, il y a le Trunks. Vu que là, il y a des Zenkai, je pense que c'est pour booster le Trunks type vert. Ouais, c'est ça, très bien. Donc là, il l'a boosté, entre guillemets, c'est pour essayer de contrer les Gohan Beast. Et bien là, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de voir dans cette méta ce que peut donner ce fameux Trunks type vert LF. Let's go. On va voir. Ok. Ça passe. Ok, la cover. Très bien. La panne, elle est relou. Hein. Elle est relou à affronter. Ok, il a rattaqué direct. Ok, il n'a pas fait de break cover, donc là, hop. Et là, bien évidemment, il a fait le break cover. Incroyable. Incroyable. Bon, ça va, ça tank. Ok. Ok. Ich ! On a bien tempo, là. On a bien tempo. Donc là, je vais essayer de ramener les Dragon Ball pour Rising Rush le plus rapidement possible. Voilà. Parfait. On va switch sur Piccolo, comme ça, il est à contre-type. On remet du ki. On va refaire la blast. Parfait. Et il a mis la cover. Très bien. Très très bien. Ok. Oh, la spé va me faire mal. Ouf. Oh, elle a fait mal. Hein. Ouf. Elle a fait mal. Donc après, je vais faire le main pour me régénérer de la vie. Ah. Elle va me lock. Et il m'a lock le main avec Pan. Elle est trop relou à jouer, les frérots. Ok. Ok, parfait. Let's go. Allez, là on a bien wedge. On a bien switché. Oh, il a remis direct le Trunks. Très bien. La cover blast. Il me voit arriver, je suis sûr. Eh ouais. Eh ouais. Là, je vais prendre cher. Là, je vais prendre cher. Il rising rush. Très bien. Donc là, pour l'instant, si je ne le contre pas, je suis dans la sauce. Mais ça ne veut rien dire. Ok, bon, là, je suis dans la sauce, j'ai pas contré. Ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que en fait, avec Gohan Beast, tu peux retourner la game. Même en 1v3, faut toujours avoir confiance, les gars. C'est tellement fort que voilà. Et puis, on n'oublie pas, il y a quand même encore le main de Piccolo, etc. Et l'ultime de Piccolo a fait très mal aussi. Hein. Ok, donc là, il a fait son main. À mon tour. Voilà, je récupère ma vie. Je suis en 2v3. Voilà, il aurait pas dû. Voilà. Donc là, par contre, là, ça va être intéressant. On va faire mal. On va faire très, très mal. Allez, let's go. Ah, il a mis Piccolo. Ah, je devrais quand même faire mal. Hein. Je pense qu'on va pas tuer, mais il va pas lui rester grand-chose. Hein. C'est trop fort. Oh. C'est trop fort. Vous avez vu la vie? Trop, trop fort. Alors, s'il attaque, je fais Rising Rush. Il attaque, bah, voilà, Rising Rush, frère. Rising Rush direct. Allez. Voilà. J'espère qu'il va pas me contrer. Est-ce que vous avez vu? J'étais en 2v3. Les persos frappent tellement fort que du coup, je reprends le dessus sur la game. C'est un délire. Vous le voyez, hein, c'est un délire, les gars. C'est vraiment un délire. Ok, let's go. Parfait. Pas de côté. Ah non, il n'a pas fait de pas de côté. Dommage. J'aurais bien voulu. Ok. Bon, pour l'instant, je tank. Hein. Tranquille. Après, il fait quand même assez mal, hein, alors qu'il est à contre-type, le Trunks. Il me fait quand même des dégâts face à Piccolo. Hein. Parfait, ça. Huch. Oh, oh, les dégâts. Voilà. Il ramène Pan. Je pense même qu'on va peut-être pouvoir LF. S'il ne clique pas, bien évidemment. Donc là, on va ramener, voilà, une carte. Après, on a encore la verte qui va ramener une autre carte. Regardez bien. Hop, une blast encore. Et là, on fait le kill. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le main. Voilà. Et là, il faut bien jouer pour LF. Ich. Et le LF. Clique pas, clique pas. Parfait. Ça clique pas. C'est parfait. On peut illustrer cette vidéo avec le LF de Gohan Beast Makanko Sampo. Non, c'est vraiment trop fort, les gars. Franchement, c'est vraiment trop fort. Je sais pas ce qu'ils ont pris, les devs, à nous pondre ce personnage. C'est démentiel. Je crois que là, on a atteint un sommet de conneries, les gars, en PvP. Non, clairement, si tu joues en PvP et que t'as pas le Gohan Beast,
Bah les gars, voilà, vous le voyez tout comme moi, t'as pas Gohan Beast, t'es dans la sauce, clairement. Et ceux qui ont Gohan Beast, bah quand tu t'affrontes, Gohan Beast contre Gohan Beast, etc., eh bien c'est à celui qui va faire la première erreur. Clairement, tu fais une erreur, derrière tu te fais le one combo, et voilà. Voilà, donc ça fait peur vraiment pour le Legend Festival. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Max de pouces bleus en mode Gameplay la main. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, n'hésite pas à aller te follow à mon compte Instagram et TikTok. On a la Paris Games Week toute la semaine, du mardi au dimanche. On va faire pas mal de contenu également avec le frérot Yekes qui va venir dès demain ici à la maison pendant toute une semaine. Donc les amis, ne ratez rien sur mon compte TikTok. Sur ce, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.